Voyons, maudite caméra, veux-tu me placer comme du monde? Si ça peut finir, cette pandémie, qu'on arrête le niaisage. Ah, je vais y assez ça, les visioconférences. Bon, you mon dossier. Ah, le voilà. La lecture du testament d'Hubert Bellechasse de Bâton Rouge. Ouais, ça va me prendre un café pas mal plus fort pour passer l'après-midi avec cette famille de fous-là. Hein? Bon. Bon, encore un petit peu. Oh, bon, ça se replace SD. Il commence à faire chaud ici. Sylvie, vous pouvez vous brancher à la réunion. C'est la lecture du testament pour la famille Bellechasse de Bâton Rouge dans quelques instants. Il devrait se brancher bientôt. Sylvie, vous êtes sur mute. Je vous entends pas, Sylvie. Appuyez sur le petit bouton du micro, Sylvie. Le bouton du micro. Vous m'entendez, monsieur le notaire? J'avais oublié d'ouvrir le micro. C'est-tu bête, hein? Ça fait un an qu'on est en pandémie, Sylvie. Puis pouvez-vous baisser votre caméra, là? Je vais juste vous laisser bête. Non, oh, ben oui. On dirait que je pense pas à ces affaires-là, moi. J'ai-tu hâte que cette histoire de virus soit finie? Bon, vous savez le dossier pour le testament de M. Hubert Bellechasse de Bâton Rouge? C'était quand même tout un monsieur, ça. Un des pionniers du Québec. Moi, en tout cas, je lis son journal Nouvelle Matinale à tous les matins depuis 25 ans. Mais c'est plus pareil depuis qu'il a laissé sa compagnie québécoise à son fils. Vous parlez beaucoup, hein, Sylvie. Je pense que je vous aimais mieux sur lui. C'est bon, je me tais. Mais dites-moi, vous n'auriez pas bu, vous? Dites-moi pas que vous avez encore mis du cognac dans votre café. Oh non, correction, j'ai mis un peu de café dans mon cognac. Ouais, c'est ça. On a un premier client qui se branche. Ouais, c'est ça, je te laisse. Je viens de me brancher à l'intérieur. C'est le testament du paternel aujourd'hui. Bon, ça doit être une formalité. C'est quand même plus de 15 ans que je suis en compagnie. Allez, ciao. Oh, ce que je vois, je peux m'y arriver. Je pense que ça va être long, je vais une ronde de gars vers 1 heure. C'est quand même le testament de votre père. Hein? Oh oui, Mandou puis moi, on s'entend que c'est assez évident, tu sais. Bonjour tout le monde! J'espère que le soleil embellit votre journée. Bonjour Sébastien! Je ne sais pas pourquoi il faut se rencontrer pour ça. Ça me semblait évident qu'il faudrait reprendre la fortune de papa et la redonner aux gens moins fortunés. Il avait tellement d'argent! D'ailleurs, Sébastien, tu ne m'as toujours pas rappelé pour investir dans mon projet de jardin communautaire bio, vegan, sans OGM, qui prône sur la diversité et l'acceptation des légumes de toutes formes et toutes couleurs. Ton projet de jardin. Oh oui, ma secrétaire allait justement te rappeler. Ton zozo n'est pas avec toi? Steph? Ah, il est justement en train de faire des livraisons de paniers soleil. Il devrait se joindre à nous. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais il semblait particulièrement excité ce matin. Est-ce qu'on m'entend? Ah, désolé du retard. Des fois, il faut prendre le temps d'être en communion avec la nature et j'ai marché parmi les épinettes pour me ressourcer. Et puis, Juliette, est-ce que ton père t'a donné de l'argent, finalement? T'es donc bien fou, Steph! Comme si on en avait besoin de l'argent, nous! Une chance que t'es là pour me faire rire! Mais oui, te faire rire! T'es resté souvent par l'argent, le beau-frère? L'argent? Ben non, pas par l'argent! J'aime ça, moi, vivre dans une caravane puis me laver aux 4 jours! Avoue qu'on a une belle vie quand même, non? T'imagines si j'avais suivi les traces familiales? La grande maison, les soupers au resto, les voitures de luxe. Hey! On n'a pas besoin de ça, nous! D'ailleurs, as-tu pensé à cueillir quelques pissenlits pour notre salade de tantôt? Mais pas besoin d'une grosse maison qu'on puisse nourrir de pissenlits! Bon, est-ce que vos filles vont se joindre à nous, M. Bellechasse de Bâton Rouge? Chère Noémie? Oh, il y a de vrai hier. Il y avait des cours en ligne ce matin. On s'entend qu'en ligne. C'est pas important.
Fait que c'est ça, gang. Aujourd'hui, c'est le testament de mon papy. Money will rain. Hashtag héritage. Hashtag Kardashian Québec. Je vous laisse, les loulous. On se revoit quand je serai riche. Jade, franchement, on parle quand même de grand-père. Oh, relax, papa, c'est juste pour le show. C'est bien que je l'aimais, papy. Quand même, de quoi on rêve avec tes vidéos? Oh, moi, je les aime bien, tes vidéos, Jade, mais... tu sais, tu pourrais peut-être en faire sur... les ravages de l'industrie pharmaceutique, sur... l'habitat des écureuils roux d'Amérique. C'est hashtag rongeur, comme vous dites, vous, les jeunes. Oui, oui, ma tante. Je vais faire ça, genre hashtag note. Et votre autre fille? Jade, ta soeur? Oui, oui, elle est dans sa chambre. Noémie, branche-toi, c'est l'heure du rendez-vous pour papy. Bonjour Noémie, je sais que tu es encore jeune et que c'est peut-être pas facile pour toi, mais on va parler de ton papier aujourd'hui. Ça me dérange pas. Il parle tous les jours à mon papy. Hein? Quoi? Mais non, ton grand-père est... Est-ce que tu veux dire que tu penses à lui souvent? Non, non. Il vient me parler toutes les nuits. Il est maintenant mon garde-robe. Fait que ce gang, c'est ma soeur. C'est une petite weirdo, comme vous le voyez. Yeah. Allô, allô? Est-ce que je parle à Hubert? C'est ta sœur, Agnès. Es-tu là, Hubert? Hubert n'est pas là, tante Agnès. On vient lire son testament. Il est décédé. Tu t'en souviens? C'est toi, Juliette? Mais qu'est-ce que tu fais dans une petite boîte? C'est une visioconférence, ma tante, à cause de la pandémie. Mon doux Sébastien, t'as bien grossi. On dirait que la petite boîte n'est pas assez grande pour toi. C'est l'écran qui fait ça, madame. J'aime pas ça, ces affaires-là, moi. Je vais aller vous rejoindre en vrai. Ça va être bien plus simple. Vous êtes où, là? Oh, non, non, non. On ne peut pas se rejoindre, ma tante. À cause de la pandémie. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, Noémie? Je la vois, là. Vous voyez pas sa petite boîte? La pandémie. Le virus. Quoi? Un virus? Non, non. Je veux pas ça. Je ferme ma machine. Je veux pas faire rentrer ça ici. Mais, Madame Bellechasse de Bâton Rouge? Mais voyons, elle est partie. Sylvie, rappelez-la. Je pensais qu'elle allait voir papy. J'allais voir mon garde-robe. Jade, rappelle ta soeur. Hein? Quoi? Ta soeur. Noémie, retourne dans ton écran, il n'y a personne dans ton garde-robe. Oh, ça va faire une bonne story, ça. Puis la gang, il y a ma sœur qui joue à Ghostbusters dans son garde-robe. Je crois, je pense que Mme Agnès est en train de se reconnecter. Désolée pour mon retard, les enfants, mais le garçon d'entre Sébastien vient de partir. Il faut bien entretenir cette grande maison. Est-ce que je vois, tu es encore bien de la maison, papa? Sébastien, c'est très bien que tu peux m'appeler belle-maman. Ton père et moi, on a quand même été mariés plus de 6 mois. Un mariage d'amour, évidemment. Quoi? Tu mets en doute mon amour pour ton père seulement parce qu'il avait 60 ans de différence? Il n'a pas d'or pour l'amour, tu le sais bien. Avec une fortune de 656 millions, je pense que ça va être l'amour. Je ne peux pas supporter de telles accusations concernant mon amour. C'est trop pour moi. Allez, Vanessa, ne vous en faites pas pour mon frère. Il ne comprend pas ces choses-là. L'amour, ça ne se contrôle pas. C'est comme moi et Steph. Hein, Steph? L'amour? Ah oui, l'amour! Mais est-ce qu'on parle bientôt d'argent? Pas l'argent tel quel, là, mais c'est parce que j'ai des poules à nourrir dans notre nouvelle ferme artisanale, donc... Oh, voir si j'ai ramené Chloé Aglaé avec moi! Vous auriez pu voir mes bébés! Ouais, je vis avec des poules, pas dans une grosse maison avec une grosse piscine!
Revenu. T'entendais, ce n'était pas mon garde-robe. Mais papy disait arrêter de vous chamailler. Il te fait dire bonjour, Vanessa. Bon, tu vois, il me fait dire bonjour. Bon, c'est ça. On ne va pas se mettre à croire à délire la plus jeune. Bon, on va commencer. C'est pas du délire. Il me parle pour vrai. Bon. Et il manque toujours votre tante Agnès. Elle fait partie du testament. Quoi qu'elle se branche à nouveau. Bonjour. Je dois vous avouer que je suis un peu mal à l'aise d'être ici. Je sais même pas pourquoi M. Bellechasse de Bâton Rouge m'a demandé. Vous êtes qui, vous? C'est l'infirmière de ton père. Tu le saurais. Tu l'aurais visité durant les 6 derniers mois. Oh, je vais t'occuper, compagnie. On peut pas tout se prélasser en portant son argent avec le grand de la piscine. Monsieur Grondin, je ne peux pas supporter de telles accusations. Je suis l'épouse en droit de Hubert. J'ai autant de droits que n'importe qui ici. Je ne me laisserai pas parler sur ce ton. Monsieur Bellechasse de Bâton Rouge, et c'est long, votre nom de famille, ça n'a pas de bon sens. À partir de maintenant, là, ça va être BBR. C'est moi le notaire, donc je valide BBR. Alors, monsieur BBR, madame BBR, elle aussi est également la veuve de votre père, donc je vous prierai d'être poli. C'est vraiment n'importe quoi. Elle pourrait être ma fille. Quoi? Est-ce que tu m'as parlé, papa? Bon, on peut commencer? J'ai madame Agnès au téléphone. Elle refuse d'aller à son ordinateur. Vous pouvez parler, Agnès? Allô? Là, je suis cachée derrière le divan dans ma chambre. Je pense que le virus ne pourra pas me pogner là. Selon les dernières volontés de votre frère, madame Agnès, je dois voir votre visage pour la lecture du testament. Lisons le testament. Je dis ça pour Juliette, là, mais... Allez, Agnès, ouvrez votre caméra, je vous promets, il n'y a pas de virus. vous êtes certain? Tu peux faire confiance à Steph, tante Agnès. Jamais il ne te mentirait. Il est comme moi. Il profite de la vérité de la nature. Oui, tante Agnès, je vous promets, il n'y a pas de virus. OK, OK. Si vous êtes... J'ouvre ma machine, vous me voyez? Oui, on vous voit bien. Mais est-ce que c'est la petite Annie dans le carré? C'est mon infirmière! Elle vient tous les jours pour mes pilules. Mais qu'est-ce que tu fais là, Annie? Je m'occupais aussi de votre frère. Il paraît que je suis convoquée pour le testament. En tout cas, vous êtes sur les miens. Mais dites-le surtout pas à ma famille, hein? Je voudrais pas qu'ils le sachent. Non, non. Et moi, tante Agnès, est-ce que je serai sur votre testament par hasard? Grand fou, tu ne peux pas t'empêcher de faire des blagues. Ben oui, des bonnes petites blagues. Bon, tout le monde est enfin là. On va commencer la lecture du testament. Donc, nous sommes réunis ici ce matin pour prendre connaissance des dernières volontés de M. Hubert Bellechasse de M. Hubert BBR. Vous êtes donc tous réunis ici, selon ses désirs. Hubert s'en vient. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Le monsieur dit qu'on est ici selon ses désirs. Ça veut dire qu'il est décédé, tante Agnès. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est vraiment pas le temps. On fait des choses sérieuses. Oh oui. Je pense qu'on va voir pas trop ce qui se passe. Bon. Présent. C'est Massé, Bellechasse de Bâton Rouge, le fils aîné d'Hubert, fondateur du journal Nouvelle Matinale et de l'entreprise québécoise. J'ai 56 ans, je suis même veuf et j'ai deux filles. J'ai pris les rênes de la compagnie il y a 15 ans et évidemment, je m'attends à ce que mon père me récompense en léguant tous ses actifs dans sa compagnie, ce qui ferait moi le plus puissant du Québec. C'est logiquement ce que j'aurais fait. Alors, je ne suis pas trop inquiet. J'ai aimé mon père, même s'il était dur avec moi et je pense qu'il était fier de moi. Je m'ennuie de lui, même s'il a une bonne vie. À moi maintenant de poursuivre son œuvre. À mon fils Sébastien, je lègue ma collection de toiles de collection qui se trouve dans ma résidence principale. Cette collection s'élève à 128 432 $ en valeur.
Il peut également continuer à présider l'entreprise tout en conservant son salaire annuel. Waouh, c'est là de sa part. Il sait que j'aime l'art. Ensuite? Ensuite quoi? Ben, qu'il me dessine ensuite. C'est tout. C'est tout? Ben oui, c'est tout. Le reste n'est pas pour vous. Vous avez déjà l'étoile et la présidence que vous possédiez déjà. Mais bon, hein, c'est pas moi qui écris les textes. Moi, je les lis, puis on peut être très bien pour ça, d'ailleurs. Attendez, il y en a quelque part, là. Alors, il y a du papier, il manque seulement une feuille. C'est pas possible. Sylvie, est-ce qu'il manque une feuille? Non, monsieur. Le dossier est complet. Bon, vous voyez le dossier complet. Il manque une feuille. Je peux poursuivre. C'est qui arrive qu'on ne va pas visiter son père à la fin de sa vie? Je te dis ça comme ça. Vous, là! C'est vous qui avez m'agnancé pour qu'il m'a dit son testament. La compagnie me rend droit. C'est 15 ans de ma vie, ça. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est par rapport à papy. J'ai vraiment pas le temps, là. Je suis en train de me faire voler mon héritage. Oh, oh la gang! Hashtag drama par ici, le paternel se fait couper l'herbe sous le pied. Suivez-moi sur Insta pour la suite. Jad, franchement, là, c'est pas que ta belle grand-mère est en train de nous escroquer? Bon, 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 les grands mots. Manipuler le testament, moi. Mais évidemment que j'ai manipulé le testament. Vous pensez quoi? J'ai 26 ans. C'est sûr que je l'ai épousé pour l'argent, voyons. Oui, oui, je sais. Vous allez me dire que c'est cliché. De la petite jeune avec le vieux millionnaire sur le point de crever. Mais ça fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en plus, ça a tellement été facile. Il avait seulement besoin d'un peu d'amour, le pauvre. Qu'est-ce que c'est ce petit mot de calvaire en échange d'une vie annoncée dans les millions? Il fallait seulement trouver les bons mots au bon moment. Oh chérie, que va-t-il m'arriver quand tu ne seras plus là pour me protéger? Et blablabla. La routine quoi? Et il y a un mois, il a appelé le docteur Grenet. Il y a deux semaines, il a commencé à être malade. Disons que son café avait un petit ingrédient spécial. Mais bon, il serait mort de toute façon. C'est pas comme s'il avait vraiment raccourci sa vie. Je verrais plutôt ça comme le fait d'avoir accéléré ma libération. L'important, c'est de continuer à être prise. Pour le moment. À ma femme, Vanessa Bébéard, je lègue. C'est sa femme, la petite jeunesse? Oh, je pense que j'en ai manqué un bout, là. Mais attendez, c'est peut-être ça, les papiers qu'il est venu faire signer il y a quelques semaines. Il est venu avec la petite Annie, c'est elle qui roulait son fauteuil. La petite Annie, ça, c'est une bonne infirmière, gentille comme tout. Une perle, comme on dit. Mais sans l'huître. Qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, Hubert, il m'a dit qu'il était inquiet à cause de son épouse. Mais je ne comprenais pas trop parce que sa Madeleine est passée l'arme à gauche il y a 9 ans. Une saloperie de cancer, le genre de truc qui chope la vie en quelques mois. Alors, je savais qu'elle était morte, donc je me suis dit, pauvre lui, il commence à être sénile avec l'âge. Remarquez, moi, j'ai peur d'en faire des bouts, ça n'a pas l'air drôle. Je vous ai parlé de la petite Annie. Oh, c'est une perle. Elle est venue avec Hubert. Alors, j'ai signé ses papiers. Je ne voulais pas lui dire que sa Madeleine mangeait des pissenlits par la racine. Je pense qu'il ne faisait pas confiance à sa... Comment vous dites ça, les jeunes? À sa concubine? C'est ça. Concubine. Moi aussi, j'en ai du langage de rue. C'est drôle parce que elle ressemble à Annie, mon infirmière. Hubert est venu avec elle pour me la présenter, je pense. En tout cas, j'ai hâte de lui dire que j'ai compris son plan. Pas folle, la vieille. Je pense que je vais l'appeler après ça. On va bien se marier, comme dans le temps. À ma femme Vanessa, je lègue un fonds d'études pour qu'elle puisse recommencer sa vie, comme elle me l'a demandé. Il peut être utilisé à tout moment. Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Ce fonds d'études d'une valeur de 56 223 $. Quoi?
Mais c'est quoi cette arnaque? Il est où mon argent? Il me doit la moitié de sa fortune. La moitié. Wow, wow, wow! Et l'amour là-dedans, hein? Qui lit soudainement l'amour pour mon père? L'amour? Ben oui. L'amour. C'est l'émotion. Mais dites-moi, ce fond d'études-là, je peux l'avoir en chèque, genre? En fait, selon ce que j'ai ici, il doit être géré par Sébastien pour qu'il s'assure qu'il serve expressément à l'obtention d'un diplôme. Mais dites-moi au moins qu'il me laisse la maison. En fait, ce que j'ai ici, la maison revient plutôt à Juliette de Béat. Ah, yes! Yes, yes, yes! Je veux dire, pas une propriété capitaliste qui va brimer notre vie nomade! Je suis capable de sentir le patchouli. J'haïs ça marcher dans la forêt puis prendre en toutes les sortes de fleurs et de champignons possibles. Et puis, je t'écœurerais de cueillir des maudits champignons puis de faire une soupe qui goûte l'eau. Puis des poules, c'est même pas des vrais animaux de compagnie. J'aime pas celle qui est Chloé puis celle qui est Aglaé. Ils sont pareils. Ils font juste crier comme des cervelines. Et puis une maison. On va en avoir une maison avec une porte et des fenêtres. Puis on va dormir dans un lit. Pas sur des branches qui nous piquent le rhume. Trompez-vous pas, là. Je l'aime, Juliette. C'est juste que quand on était jeunes, c'était belle fun d'être bohème et insouciant. Mais là, j'ai 46 ans, puis j'ai mal aux genoux en me levant le matin avec la rosée. Je vais prendre une douche, aller dans un lac pour sortir une fois sur deux des sangsues. Je peux me faire sangsues, moi, là. Bon, faut pas trop que ça paraisse. Je veux pas décevoir Juliette. En même temps, c'était peut-être la décision de ton père, tu sais. Bon. Personne m'entend, là. La vérité, là, c'est que j'ai comme envie de l'avoir, la maison. Je pense que mon trip de nomade est terminé, mais je peux pas faire ça à Steph, non? Il est tellement heureux à vivre dans le bois. J'aurais l'air d'une parvenue à vouloir vivre dans le luxe et l'argent. Mais vous savez, ça fait combien de temps que j'ai pas pris de vraie douche? Ça doit faire 10 ans! Steph, lui, il trouve ça drôle à se laver dans le lac avec les sangsues. Moi, je trouve ça répugnant, mais non, j'ai jamais voulu lui dire. Puis vous savez quoi? Ben, des poules, là, c'est con comme la lune. On peut rien faire avec ça. Au moins, si j'avais la maison, ben, je m'achèterais un chien. Puis, ben, il les mangera, hein? Les poules, bon débarras dans le fond. Mais non, mais je peux pas faire ça. Steph me le pardonnera jamais. Il est fait pour le grand air et il adore nos poules. Bon, fais une femme de toi, ma Juliette, et refuse la maison pour Steph. La maison, mais oui, la maison, mais on n'en a pas besoin de la maison. On est parfaitement heureux à vivre dans notre petite caravane et à se lever à tous les matins avec la rosée. Est-ce que quelqu'un veut la maison? Ben, moi, je dirais pas non. C'est quand et moi qui connais le garçon d'entretien de la piscine.
Toi, la seule place où te voir, c'est sur un banc d'école. J'aurais vraiment quelque chose à dire. Pas le temps, Denis. Tantôt. Bon, écoutez, si vous refusez la maison, la succession va à la prochaine personne sur la liste. Ce serait donc Jade qui hériterait de la maison à ses 18 ans. Mais c'est dans un mois, ça? Yo la gang, gros turn-up dans la maison de mon papy dans un mois. Hashtag alcool à flot partagé, ça va être malade. Un petit instant, notre fille. Premièrement, la pandémie n'est pas finie. Et deuxièmement, la maison est encore à ta tante Juliette pour maintenant. Yo la gang, c'est temps de get real avec Jade. Ça se peut que j'aille à la maison de mon papy. Je veux dire, oh my god, c'est trop top. Vous suivrez mes aventures riches et célèbres sur le hashtag Le Manoir de Jade. C'est trop intense. C'est Uber Horse parce que ben, mon papy, c'est Uber puis il est mort. Mon papy est mort. C'est pour vrai, là. C'est pour de vrai. Mon petit papy qui me donnait des popsicules quand j'étais petite en m'asseyant sur le comptoir de la cuisine. Mon petit papy qui était toujours là à ma fête avec son grand sourire. Il était tellement fier de me voir grandir. J'ai peut-être avoir sa maison pour mes 18 ans, mais lui, il sera pas là pour mes 18 ans. J'aurais aimé ça pouvoir lui dire que je l'aimais une dernière fois. Salut, la gang! Je suis l'enfant de mon papy qui est un peu malade. Dis bonjour, papy! Bon, il n'est pas super jasant ces temps-ci, mais comme vous pouvez le voir, au moins, son lit est confortable. Il dort toute la journée, le chanceux. Bye, papy! C'est ça, la dernière fois que je lui ai parlé? Je m'excuse, papy. Je t'aime, papy. Peu importe qui l'a, ce sera toujours la maison de papy. T'as raison, oui. Je pense qu'il aurait aimé que tu y fasses ta vie. Prends la maison, Jade. Non, je te la donne. Je viendrai te voir avec ma caravane de temps en temps. Hein, Steph? Une caravane? Mon rêve! Tu pleures? Non! Je suis juste émue, OK? Mais là, c'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a avec la farce de mon père? C'est quand même pas ton infirmière qui va arrêter du magot. C'est en affaire, madame. On parle quand même de 500 millions de dollars. Pas mal plus que l'automax. Écoutez-moi. Je sais même pas pourquoi je suis ici. Enfin, je crois. 500 millions de dollars? Est-ce que c'est vraiment pour ça que j'ai été convoquée ici? Je veux bien croire que je m'entendais bien avec M. Bellechasse de Maison Rouge. Mais je ne faisais que lui donner ses médicaments et le faire asseoir dans sa chaise roulante une fois par jour. Je crois pas que tout ça vaille 500 millions de dollars. Par contre, c'est vrai que je suis peut-être la dernière personne avec qui il l'a traité comme un être humain. Puis sa femme. Je crois pas qu'elle était là pour l'amour. L'amour? À vrai dire, c'est quoi l'amour à 86 ans? Quand M. Bellechasse de Bâton Rouge prenait ma main pour que je m'approche de lui et pour que je puisse l'entendre, je sentais bien un frisson. Est-ce que c'était de l'amour? Est-ce qu'il est tombé en amour avec moi parce que je prenais soin de lui? Je faisais mon travail, M. Hubert. Et pourtant, c'est bien moi qui ai eu droit à son dernier souffle et son dernier sourire avant que, vous savez, il relâche toutes ses forces. De l'amour? C'est bizarre, l'amour. Mademoiselle Juliette Bébéra, êtes-vous encore présente? En fait, pour ce qui est de la fortune de votre père, il y a bien un montant d'argent qui va à Annie Marsan, infirmière ici présente, pour un montant de 2,5 millions de dollars pour avoir, et je cite, « fourni un regard humain en plus de compassion à un vieil homme seul ». Quoi? Je suis millionnaire? Merci, monsieur, merci! Vous savez quoi? Mon père est un homme du jugement, et si vous donne ça, c'est que vous méritez. Alors, il donne 2,5 millions à sa femme?
Non, non, Madame Agnès, ce n'est pas moi sa femme. Je suis votre infirmière aussi. Mais alors, c'est qui sa femme? C'est moi. Et vous a donné quoi? Des études. Oh, alors, on peut dire que vous êtes faite avoir, ma petite. On peut dire ça, oui. Mais alors, à qui va la fortune de papa? Oui, est-ce que j'aurai mon nom à la fin du testament par hasard? En fait, il est mentionné ici que M. Bébert a transféré l'entièreté de sa fortune à sa sœur Agnès il y a cela quelques semaines et que celle-ci pourra la remettre à celle par qui la vérité arrivera. Bon, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais en même temps, c'est ce qui est écrit, mais... C'est, selon moi, on va se dire, c'est peut-être les paroles d'un... Un vieux fameux personnage. Monsieur le notaire, faites attention à vos paroles. Celle par qui arrivera la vérité. Mais quelle vérité? Bon, est-ce qu'on peut écouter maintenant? Et vous, Agnès, vous la connaissez, la vérité? Ouais. Oh non, mais si j'étais vous, j'écouterais peut-être la petite. Papy, il veut que vous sachiez quelque chose. Encore, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il veut, papy? Il veut que vous sachiez qu'il a été assassiné. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, c'est quoi ce délire? Assassiné, voyons donc. Oui, et l'assassin, c'est vous. Moi? Mais voyons, il était vieux, il avait une crise cardiaque. Je le savais. C'est en prison que vous allez faire vos études. Il a été empoisonné. Il me l'a dit. Il m'a dit qu'il nous avait trouvé un flacon dans sa tête de chevet. Ah, ça? Je peux vous garantir que vous allez trouver aucun flacon. Pas comme quand même. Mais attendez, le flacon dont vous parlez, est-ce que c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Hubert me l'a donné la dernière fois que je l'ai vu. Il m'a dit de m'en servir au moment opportun. Je pensais que c'était un délire, mais... Il me l'a donné quand même, juste avant qu'il meure, donc j'ai pas pu m'en débarrasser. Vous avez assassiné mon père? Vous avez assassiné mon père? Vous avez assassiné mon frère? Vous avez assassiné mon papy? Et le mien? Mais non, il y a une explication. Ça sonne à la porte. Oh, elle se sauve, je crois. J'ai déjà contacté les policiers, monsieur Barbel, chef de Bâton Rouge. Ils sont en route pour maison de madame. Il n'y a pas plus efficace que vous, Sylvie. Écoutez, je vais me rendre à la police avec cette preuve. Je vous en redonne des nouvelles. Je vais dans la maison, les filles. Il y aura des choses à régler. Je vous rappelle demain, votre secondaire. J'ai hâte, fais pas avec ça, s'il te plaît. Non, papa. Pas avec papy. Il mérite mieux que ça. J'arrête de croire, Noémie. C'est pas grave, papa. Papy est fier de toi, tu sais. Bon. Je vais venir te rejoindre. C'est quand même pratique d'avoir une maison sur roulette. Oui, très pratique. Au revoir, notre secondaire. Madame Agnès, c'est la rencontre est comme pas mal finie. Quoi? Vous êtes encore là, vous? Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous êtes encore dans la rencontre pour le testament de votre frère. Mon frère n'est pas dans la rencontre. Il est décédé. Appuyez sur le bouton rouge, Madame Agnès. Est-ce que c'est celui-là? Je vous le dis, Sylvie, là. Moi, les rencontres en visioconférence, je suis plus capable. Est-ce que vous voulez un café? Je pense que je prendrais plus un cognac. Bon, allez, vous le méritez. Je vous attends à l'extérieur, à 2 mètres. Maudite pandémie.